Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour le 57e épisode, si je me trompe pas, sur Belgique Profonde version 3. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'ai la forme, mis à part que le temps est littéralement pourri chez moi. Mais bon, c'est pas pour autant que j'ai quand même la forme pour vous filmer une vidéo sur Belgique Profonde. Donc après, j'espère déjà que je vais parler assez fort par rapport au son du jeu, etc. Puisque je filme tard. Et le fait que je filme tard, et ben déjà mes parents ils dorment, et vu que leur chambre est juste au-dessus. J'espère que je vais pas faire trop de bruit, j'espère surtout que vous allez entendre correctement. Donc déjà ce qu'on va se faire avant de commencer, c'est finir de donner de la flotte, parce que j'avais dit que j'allais le faire en vidéo, du coup je l'ai même pas fait. J'avais dû quitter le serveur aussitôt, alors par contre je vais remettre ça. Hop, on va se démarrer notre fend. Et d'ailleurs en parlant du fend, il y a quelqu'un en commentaire. Qui m'a mis un commentaire que je n'ai pas compris en fait, et j'ai voulu répondre mais en fait j'ai pas compris. Et merde, c'est... mais où c'est qu'on met l'eau? Ah bah non, c'est dedans, c'est de lisier là, je suis con. Oui, donc je disais, j'ai pas compris ta question parce que du coup tu devais avoir un souci avec le fend, mais je ne sais absolument pas ce que t'as en fait comme problème parce que j'ai pas... J'ai... Putain, mais pour me faire chier mais... Que j'appuie sur... Ah, faut que j'appuie sur R, c'est mieux. On va leur mettre une cuve chacun, 5000 litres chacun, ça va suffire. Hop, allez, on est parti. Le temps de la remplir, il va falloir que je vide la batteuse qui est également pleine en tournesol, qui a d'ailleurs fini son taf aussi. Donc lui c'est pareil, on a notre jeu de dire 78 10, c'est ça qui taffe toujours. Donc là évidemment il faut que ça la gêne, de toute façon elle a fini, c'est parfait. Allez, arrête toi t'as fini, donc ça sert à rien de continuer. Vide moi ça là dedans on va re-switcher là dedans Est-ce que je fais demi-tour d'un coup là? Ouais, c'est parfait. Hop. Mets-moi ça là-dedans. Les oies, on va leur mettre une cuve également. Et puis ça va être bon. Alors par contre, les vaches, c'est pareil. Je crois qu'il n'y a plus de paille et il y a encore du fumier. Ouais, va falloir encore que j'en mette de la paille. Bon, ça je le ferai en vidéo parce qu'on va s'attaquer au lisier quand même. Je suis juste pour l'instant donner de la flotte. Pour une fois qu'on peut commencer le lisier vite et bien, on va le faire. Par contre, maintenant que j'y pense, je sais pas du tout où stocker la barre à maïs là, de la batteuse, parce qu'elle est pas repliable. Ça va m'emmerder, ça. De toute façon, je vais ramener la belle entre deux, là. Bon, normalement, si tout va bien, ce trigger doit être juste là, j'imagine. Voilà, c'est ça. Alors, par contre, maintenant, la mare... L'eau est... Bah d'accord, l'eau en fait n'augmente pas. C'est-à-dire qu'on en met mais la texture là ne bouge pas. Alors qu'en c'est une version, quand on mettait de l'eau, la mare s'agrandissait quoi. On grimpe vite dedans pour pas que la barrière broye la cuve non plus. Allez, on va mettre la cuve ici. Je sais même pas si les vaches ils en ont encore, j'en avais mis 3. J'en avais mis 3. Bah, ça va être vite vu. Ah, on voit pas l'eau ici dans ce menu là. On va regarder vite fait là. Poule, non, vache, c'est là. Ouf, ouais, bah d'accord. Y'a plus rien. Toi. Ah, bah alors le problème c'est que. Oui, bah non, non, c'est bon. Tu vas rester là. Toi, c'est pareil, tu te démerdes. Toi, tu viens avec moi. On va avoir besoin de toi de toute façon pour lisier. Je vais pas prendre le petit fend.
Quand il va pas falloir que j'oublie de faire le plein, parce que ça va me faire tout drôle arriver au champ avec plus de fuel dans le réservoir. J'ai quand même l'impression qu'il est en chill, Kaz. Donc soit c'est la mopu qui est lourde, même à vide. Ou soit c'est réellement le casque qui a du mal, mais bon. Je pencherais plus à l'inverse. Ah ouais, mais j'ai les pédales de mon volant qui sont pas combinées. Du coup, j'ai que le volant qui marche, mais pas les pédales. C'est génial. On va passer par là pour le stocker, le tournesol, parce que c'est là-bas. Ah, mais j'en chie, hein. C'est à la limite de rester planté là. Allez, tu peux le faire. Oh, il a pas de frein. Hop. Bon, les moissons sont... Ouais, doivent être terminés. Maintenant, il n'y a plus rien à battre. Si, au niveau du concessionnaire, ouais, mais bon, pour l'instant, c'est pas très grave. Je suis quand même lavé la benne. Du coup, c'est vrai que maintenant que la partie sur le serveur, la paille part relativement vite, hein. Je mets 6 balles à chaque fois. Quand il n'y a plus rien, je mets 6 balles de paille en fait. Donc ce qui fait que, bah, mine de rien, si je me connecte tous les jours, après j'en mets tous les deux jours, parce que quand je mets 6 balles en 24 heures, ils ont pas tout bouffé, il en reste toujours encore un peu. Donc je fais en sorte de passer tous les deux jours. Et là, bah, ça fait 2 jours, hein. Donc en fait c'est simple, à chaque fois que je veux filmer, ça fait 2 jours. Donc tous les deux jours je recale 6 balles. Du coup, je disais oui que j'allais faire du lisier, donc on va s'atteler tout de suite la cuve. À pas perdre de temps, la batteuse je la rangerai plus tard, je vais peut-être au moins l'éteindre, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure elle est démarrée. Pour sortir de là-dedans, ça va être qui ça? Comment je vais me démerder? Si je force comme ça, non, ça va pas le faire. Pas du tout. Ça ne le fait pas du tout. Ah bah génial, je me fais chier là. Attendez, mais oui, je me fais vraiment chier là. Je vais faire ça. Ça va être beaucoup plus simple. Et voilà. C'était pas, c'était aussi simple que ça, mais bon, il a fallu quand même que je me complique la vie. Oui, le carburant, c'est pas grave. J'y ai pensé. Ouais, bon, pour l'instant ça va, on a pas mal de paille. De toute façon, je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais il y a 230 tonnes de paille stockées à la ferme. Je crois que c'est 230. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut regarder le stockage de sa paille ici. Je pense pas, hein. Non, on doit pas voir le stockage. Et ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Non, c'est les animaux, ça. Bon, bah tant pis, hein. Putain, par contre, il en contient des litres. Le temps qu'il se remplisse. Putain, par contre, c'est vrai qu'il en contient, le fumier. Tête, hein, l'enfoiré. C'est beau, je peux pas les plier, les bêteuses. Ok, bon. Faut chercher à comprendre. Je vais au moins la ramener en bas. Je vais la laisser ici, parce que si je viens faire du lisier là. Hop. Bim.
Non, que je regarde un truc. Pourquoi je peux pas la... Ah bah si, je peux la plier. Bon bah d'accord. Pourquoi je pouvais pas tout à l'heure, je sais pas. Je suis peut-être mal appuyé. Bim. Alors, on va se prendre le coco là. Oula, je vois plus rien. Eh ben, impeccable, c'est parfait. Toi tu... Ah ouais, il a 629 litres, il en restait que 100. Même pas 92. Oh là là là. Ouais, il consomme vraiment comme une coche quoi. Là, il n'y a pas à dire. Il consomme l'enfoiré. Bon, alors... du coup, je vais pas... Je peux pas perdre de temps, je vais directement aller par là. On est parti. Bon bah ça va, on roule dans de la boue, on a du lisier, c'est parfait. Impeccable. Alors par contre je me rappelle plus du tout la largeur de l'engin. Je vais mettre le régulateur à fond, ça va être mieux. Pourquoi il est à 10? J'ai mis le régulateur à fond et... Mais attends, 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 tu vas pas commencer à... What? Ah oui, déjà le champ interne m'appartient pas, c'est génial. Allez, c'est parti, on va s'acheter ça. Hop. Alors, le 21. Ah, puis je ne suis pas en admin, c'est parfait. C'est génial. Je ne suis pas un admin, comment je vais faire? Bon écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais couper la capture vite fait pour faire le code administrateur et je vous retrouve juste après. Et voilà, donc, alors on va s'acheter le champ, comme je disais, hop, numéro 21, c'est parti, je vais faire switcher, je vais pas m'embêter. Et le truc que je... Non, je dois avoir un problème avec des mods par contre là encore, là, parce que pourquoi? Tant pis, je vais accélérer à fond dans ce cas-là, mais... C'est bizarre que je pouvais pas mettre... Ah non, j'arrive pas à mettre le régulateur, en fait, il reste à 10. On va pas chercher à comprendre, hein. J'appuie à fond sur le clavier, et puis c'est parti. Bon, ça va peut-être pas être pendu à la perfection. Mais bon, pour une fois que j'ai pendu l'usier. Hein. On est parti. Ouais, c'est vrai que ces cubes-là sont quand même bien. Après, là, c'est large. Je n'en avais même pas remis en mode depuis. Je les ai utilisés la première fois sur GameSting avec Gabi. Je les avais pas réutilisés depuis, mais... Moi, ce que je cherchais, c'était surtout une cuve qui avait l'aspect déjà un peu dégueulasse, quoi. Et quand j'ai vu celle-là, bah, j'ai sauté dessus parce que je la trouve vraiment... Bah, allez, oui, elle est dégueulasse, mais au niveau des textures, elle reste propre, quoi. C'est bien réalisé. Et d'ailleurs, en parlant de texture, hein, maintenant que j'y pense, on a enfin eu le trailers de Farming Simulator 2017. Et franchement... Si ce qu'on voit sur les vidéos, si vraiment ça va être comme ça, moi clairement je suis prêt à débourser 30 euros. Après voilà, faut qu'on envoie plus aussi. Pour l'instant, c'est sûr que s'il sort demain, je vais pas le prendre quoi aussitôt. Ou ben Dieu, je me rappelle plus qu'il y avait de l'eau aussi près que ça. Mais ouais, pour ceux qui n'ont pas vu le trailer, vous allez sur la page Farming Simulator. Je peux vous garantir que pour l'instant ça envoie du rêve. Hein. Les 35 euros, s'ils montrent d'autres images qui sont aussi belles, je pense qu'il va les valoir. Mais après, voilà, faut quand même. Moi, honnêtement, je reste sur mes gardes. Que comme je le dis, s'il sort demain, je vais pas l'acheter. Je vais plutôt attendre l'avis des utilisateurs, etc. Mais pour l'instant, oui, on a dans le trailer, on peut voir. Déjà, on peut voir à la fin qu'il y aura le tournesol. Il y aura les personnages féminins qui seront intégrés aussi. On pourra prendre un personnage féminin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Bah évidemment les textures hein, de la terre est franchement mais réaliste à 300-400%, c'est tellement c'est beau. Au niveau des marques des véhicules, on a Massey, Fendt, le 4 Challenger Ashni, là, le Caterpillar là, le machin malade là qu'on voit aussi dans le trailer. On voit les, ouais, bah, les textures quand on laboure, on déchaume, c'est pareil, c'est énorme. Les faucheuses aussi, on a un gros Valtra blanc, les nouvelles séries de Valtra là. Où on peut voir le Valtra travailler en poste inversé. En gros, vous avez la cabine qui se tourne et puis le Valtra il fauche en marche arrière en fait. Et franchement, pour l'instant, le trailer il envoie du pâté quoi. Après, voilà, ça a été présenté à l'E3. J'espère qu'on en verra plus dans quelques jours. Mais pour l'instant, ouais. Oh putain, la vache, la cuvée déjà vite quoi. J'ai fait le tour du champ plus un aller. Oh, les doucement. Putain, ça y est, dans la boue, on n'avance plus. Ça, c'était à prévoir. Non, j'ai braqué du mauvais côté. C'est parti. Sinon, concernant les actualités, il n'y a pas grand chose. Hein. Mis à part que moi, en ce moment, je retourne un peu sur Arma 3. Je m'entraîne un peu à voler en hélicoptère, etc. Vu que je me suis déjà crashé deux fois. Et que ça m'a bien fait rager. Bah, du coup, j'arrête pas de m'entraîner là-dessus. Qu'est-ce que je fais d'autre? Oui, je voudrais bien jouer à The Crew avec Gabi, puisque Flo, Flo qui fait partie de la team FNJ TV. Tiens, j'étais en train de bégayer, enfin en train de bugger en parlant, j'étais en train de réfléchir à autre chose. Ouais, Florian, qui est avec Gabi sur la chaîne, sur leur chaîne FNJ TV, lien dans la description, MDR LOL, petite pub au calme. S'est acheté un nouveau PC, donc je lui ai fait une config sur Top Achat et il s'est acheté le PC récemment, donc maintenant il arrive à faire tourner tous les jeux, hein. Enfin tous les jeux qu'il possède, hein. En tout cas après tous les jeux, non je pense pas, c'est comme moi, même moi je peux pas faire tourner, enfin bref on s'en fout. Du coup ce qui fait qu'il avait investi en même temps que nous Ark et The Crew, donc Ark il a pas encore essayé ou alors je lui ai pas demandé. Mais pour ce qui est de The Crew, bah Gabi et moi, on est emmerdés puisqu'on n'arrive plus à le lancer. En fait, il plante à chaque fois qu'on veut le lancer. Donc on a regardé plein de trucs sur internet. Ils nous disent de vérifier les fichiers du jeu. Ils nous disent de décocher des trucs dans Windows ou je sais pas quoi. Enfin, dans le CS config. Enfin, bref. Ils nous disent de faire plein de trucs au final qui ne marchent pas. Et par contre, lui, Flo, ça marche très bien. Pourquoi? Je sais pas, du coup, ouais, faudrait qu'on arrive à trouver une solution là-dessus, puisqu'on voulait filmer dessus sur leur chaîne, mais du coup, bah, pour l'instant, c'est un stand-by. Voilà, pour le multi-farming, c'est pareil, pour l'instant, ça va pas reprendre tout de suite parce que Gabi n'est pas disponible. En sachant que dans une semaine, en une semaine et deux jours, je vais chez Gabi. Voilà. La nouvelle, waouh, extraordinaire. De toute façon, on va rien filmer là-bas. Je reste 2 jours chez lui parce que voilà, il y a un truc qui est organisé dans le coin, et, enfin par chez eux. Et du coup, j'en ai profité pour prendre, vu qu'en ce moment j'ai le temps, pour prendre 3 jours là-bas. Donc, Gabi a eu la gentillesse, enfin a la gentillesse de m'héberger, ce qui est plutôt cool. Et voilà, en plus son petit frère a également acheté un ordinateur que j'ai, où j'ai réalisé la config, sauf que il y a eu le petit problème, c'est que l'ordinateur, bah, ça a fait comme moi, il est arrivé démonté. Donc je vais monter l'ordinateur du petit frère à Gabi et puis comme ça. Et puis bah comme ça, bah, ça tombe bien quoi. En espérant voir également Florian, qui normalement devrait venir, mais pour l'instant c'est pas sûr. Enfin bref.
toute façon, je pense que ouais, vous saurez pas plus parce que je pense pas filmer quelque chose sur place. Hein. C'est pas un truc extraordinaire. Hein. Je suis pas expert en vlog, j'ai pas de caméra pour. Et montrer ma tête, c'est pas mon truc non plus. Donc, voili voilou pour les nouvelles. Doucement, putain, il est nerveux ce tracteur, mine de rien. Il a du mal à s'arrêter en fait, il est nerveux et putain, j'ai pas ce champ là non plus, fait chier. Là, c'est le 22, c'est génial. Le 22, il est là. Le jeune a fini, c'est déjà pas mal. C'est déjà une bonne chose. Ah là, ça va être long. D'ailleurs, faut peut-être que je regarde un peu. Ouais, bah de toute façon, je pense que je vais arrêter la vidéo là. Je sais pas si dans le prochain épisode. Ah, il y a un peu la texture du lisier. Ça, c'est cool. Attendez. Moi, je vais vider la cuve et puis je vais regarder. Ah, il y a la texture. Ça, c'est bien. J'avais pas capté. On a du mal à la voir, mais elle est là. Oui, donc je disais, je sais pas si dans le prochain épisode je vais continuer le lisier ou pas. Déjà, je vais en faire hors vidéo, ça c'est sûr. Histoire de vraiment avancer. Et puis j'aurai également bah, le fameux champ où le John Deere vient de terminer de labourer. Je vais leur semer en maïs comme dans la version 2. Et c'est pareil, je pense que les semis, je vais les filmer puisque c'est quand même j'ai quand même un bel ensemble de semis de maïs. Donc je pense que ça peut être sympa à faire et sympa à voir. Donc voilà, donc de toute façon je vais voir tout ça. Hein. Je vais juste vider la cuve là. En commençant la largeur. Hop. Alors, regardons un peu la texture. Ouais, on a du mal à la voir, mais la texture est là. Peut-être que si je me mets au ras-le-sol comme ça, non? Enfin bref, on voit les petites taches marron quand même. Marron foncé. Enfin bref, moi les amis, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que le son a été bon. Et puis moi je vous dis à très vite pour la suite sur Belgique Profonde V3. C'était la Rue Normandie. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.